Aujourd'hui, je vais vous parler du salon Primevert qui s'est déroulé il y a à peu près un mois. Ce salon est organisé de manière générale autour de l'environnement. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai créé cette chaîne surtout pour parler de mode, mais que c'est une des industries les plus polluante au monde, donc du coup moi j'essaye de pouvoir concilier en fait mon amour pour la mode que j'ai depuis toujours et en même temps mes valeurs écologistes. Donc je suis allée à Salon principalement pour trouver des réponses à mes questions que j'avais sur la mode éco-responsable, mais aussi pour en apprendre plus sur l'écologie de manière générale. Le salon se déroule à Lyon et c'est organisé sous forme de débat. Il y a beaucoup d'intervenants qui participent, il y a des artisans qui exposent. Donc j'y suis allée avec mon frère et sa copine et autant vous dire qu'on a vraiment eu de quoi faire pendant ces 3 jours. Je vais évidemment pas vous parler de tout ce qui s'est déroulé là-bas, même de tout ce que j'ai vu parce que la vidéo serait immensément longue. Donc je vais vraiment vous parler de ce que j'ai appris, de ce qui m'a fait changer, vraiment ce qui m'a marqué. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis donc allée à ce salon avec mon frère et sa copine. Et mon frère s'était porté volontaire pour animer un stand autour du bois qui faisait intervenir Boris Bollant. C'était absolument pas prévu à la base, mais j'ai fini par passer en fait quasiment tout le vendredi à les aider sur le stand. Et franchement, ça m'a bien plu. En fait, le salon nous a mis à disposition du bois de récup pour qu'on construise des assises qui, elles, du coup, seront réutilisées l'an prochain pour la prochaine édition du salon. Donc franchement, c'était hyper sympa. On a bricolé avec des gens qui venaient là, soit qui n'y connaissaient rien, soit qui s'y connaissaient largement mieux que moi, parce que moi j'étais pas du tout, je suis pas du tout dans le domaine. Mais du coup c'était très sympa d'être avec l'équipe de l'Air du Bois en fait, qui est une association qui a été créée par Boris, du coup qui est aussi youtubeur, je vous invite à aller voir sa chaîne si ça vous intéresse. Et donc il a créé cette association en fait, qui est un site internet qui regroupe plein de passionnés du bois, où vous pouvez mettre vos œuvres que vous avez faites, vous pouvez trouver des sortes de petites annonces pour trouver des ateliers un peu participatifs, vous pouvez aussi trouver des stocks de bois près de chez vous, enfin il a vraiment fait un super travail et c'est un truc très participatif, donc c'est très sympa. Vers 17h, on est allé à une conférence que moi je voulais absolument aller voir, qui était autour du textile en fait, et qui était animée par la co-créatrice de la marque Laine Paysanne. Et j'ai vraiment adoré cette conférence qui était basée en fait sur la laine et sur la valorisation de la laine. Et moi la laine c'est vraiment une matière que je travaille pas du tout. Ma mère tricote très bien mais moi j'ai beaucoup de mal. Et surtout je trouve que c'est une matière qu'on connaît pas vraiment en fait, qu'on consomme au quotidien, mais je trouve qu'il y a un peu un manque d'informations sur cette matière là. La marque a été créée par Olivia et Paul. Paul est éleveur de moutons et Olivia, l'intervenante de la conférence, est tisserande et lainière. C'est-à-dire qu'en fait, elle va s'occuper de transformer la laine qui vient du dos du mouton jusqu'au fil qui va servir ensuite à créer le vêtement. Et ce que j'ai adoré, c'est vraiment ressentir la passion que la créatrice a pour la laine, pour tout le processus de fabrication, parce que vraiment, leur but, c'est de créer le vêtement à partir du moment où vous élevez les brebis, et jusqu'au moment où vous vendez le vêtement jusqu'au consommateur. Ce que j'ai adoré vraiment dans cette marque et dans la conférence qui a du coup été présentée par la co-créatrice, c'est de voir à quel point ils avaient envie de revaloriser la laine, qu'ils avaient envie de mettre le local vraiment au centre de leur marque. Et c'est vraiment ce mot qui m'a, un peu pendant tout le salon, qui a un peu fait écho en moi, c'est cette revalorisation des choses de manière générale. Bref, dans cette conférence, j'ai beaucoup appris sur la laine et tout son processus de fabrication. La plupart en fait des éleveurs de brebis, eux, n'utilisent pas spécialement la laine, du coup elle va être rachetée par des entreprises externes qui, eux, vont la racheter à des prix hyper variables, et donc tout ça conduit en fait à dévaloriser la laine sur le marché. Ce que j'ai appris aussi, c'est que la laine, c'est quand même une matière très complexe. Je sais pas si vous avez déjà touché un mouton, mais la laine, c'est légèrement gras. En fait, ça c'est ce qu'on va appeler le suin. Et en plus, le mouton, c'est un être qui vit. Il va bouger, il va salir, il va avoir de la paille dans son poil. Donc pour avoir une matière clean, l'industriel, il va faire quoi? Eh ben, il va prendre la laine et il va laver tout ça à coups de grands bains d'acide. Et ensuite, il rebalance toutes les eaux usées, bien dégueulasses comme ça dans la nature. Ensuite, une fois que ça c'est fait, bah on envoie ça dans un pays où la main d'œuvre coûte que dalle. Et même si on a fait tout ce processus de délocalisation, et bah si la laine elle a été produite en France, et bah vous pouvez avoir la mention Made in France. Donc oui, votre laine elle est Made in France, elle vient d'un mouton français. Mais toutes les étapes intermédiaires elles ont été complètement délocalisées, et vous en pensant bien faire en achetant du Made in France, et bah en fait vous faites un peu entuber. Donc je dévalorise pas le Made in France, au contraire je trouve que c'est une bonne démarche.
mais ça a ses limites. Et c'est là en fait que laine paysanne fait bien les choses, c'est-à-dire que eux ils élèvent leurs moutons en plein air, et du coup ils n'ont pas déjà à traiter ce problème de foin qui se, voilà, qui se retrouve coincé dans la laine de l'animal. Ils lavent leur laine au savon noir, et ensuite ils réalisent leurs vêtements, et tout ça de manière locale. Ils tiennent également à ne pas du tout utiliser de teinture en fait, tous leurs vêtements sont de la couleur du poil du mouton, et je trouve que, je sais pas, c'est ce genre de choses moi qui compte vachement pour moi, c'est-à-dire que vraiment ils embellissent la matière première, il y a un respect de l'animal, ouais, de la laine de manière générale, et c'est là pour moi que tout le vêtement que vous achetez prend son sens. Donc ils avaient aussi un stand sur le salon en plus de participer aux conférences, et mon frère et moi on a été hyper touchés par la démarche, du coup on a voulu les soutenir. Moi je me suis acheté une petite paire de chaussettes comme ça, j'ai pas vraiment pu acheter plus parce que bah, c'est vrai que les produits sont chers, c'est-à-dire qu'un pull il va coûter dans les 115€. C'est 115€, oui, mais je crois qu'en fait on a un peu perdu la notion de prix des choses en fait, c'est-à-dire que 115€ pour un pull qui va durer je ne sais combien de temps, qui est de super qualité, qui a toute une histoire derrière, ça me paraît pas si cher en fait. Donc mon frère, lui, a pu s'acheter un joli pull, et j'ai été tellement vraiment touchée par cette démarche que j'ai appelé mes parents, que je leur ai envoyé des photos, et je leur ai dit, mais est-ce que vous voulez pas vous acheter un petit pull, ou je sais pas, mais est-ce que vous voulez soutenir la démarche? Donc ma mère s'est acheté un petit pull, hop, je vais vous le montrer. Voilà, elle s'est acheté un petit pull comme ça, super joli à rayures. Vraiment, leurs vêtements sont très jolis, c'est-à-dire que c'est tout en simplicité, mais c'est une simplicité basique mais efficace. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé leur marque. Donc j'ai pas pu encore lui donner parce que confinement oblige, hein, vous connaissez. Et mon père, lui, nous a commandé deux petites paires de chaussettes. Donc du coup, on est reparti avec ça et aussi des pelotes de laine pour ma mère qui tricote. Et franchement, on a beaucoup discuté avec Olivia, du coup la co-créatrice, et c'est ce genre d'expériences humaines vraiment qui sont super intéressantes à vivre dans ce genre de salon. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet, ou même si vous avez pas forcément les moyens d'acheter... Bon déjà ça peut faire un bon, par exemple, cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël. Et surtout, même si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez juste vous abonner à leur compte Instagram que je vous mettrai en barre d'infos, parce que déjà il est super joli. Et puis juste en fait, en vous abonnant, vous leur donnez de la visibilité, qui voilà, c'est vraiment comme ça que vous pouvez soutenir des petites marques comme ça pour qu'ils portent leur message vraiment plus loin. Bon, vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré la marque. Ce côté revalorisation, c'est ce que moi j'essaye un peu d'apporter aussi avec ma chaîne. Revaloriser le processus créatif et de fabrication. Quand vous fabriquez un vêtement de A à Z, vous vous rendez compte de tout ce que ça implique, de tout le temps que ça implique, la difficulté, le matériel, etc. Et vous vous rendez vite compte que, alors oui, vous payez votre robe Zara 30€, mais que le tissu, c'est souvent de la merde, et que c'est souvent produit au Bangladesh. Donc forcément, point de vue éthique, ça pose des petits problèmes. Le deuxième jour, on a fait un tour des stands et ateliers. Ici, l'association Astre, qui revalorise le bois et s'emploie à restaurer l'art sylvestre en conservant les formes naturelles du bois, en l'écarillant, c'est-à-dire en le taillant à la main pour créer des meubles ou des charpentes. Il y avait aussi des osiriculteurs qui parlaient de leur artisanat, des maroquiniers qui exposaient, et on a aussi participé à un atelier de couture du cuir. Il y avait aussi pas mal de stands de cosmétiques naturels à base d'huile végétale, huile essentielle, hydrolat, etc. En tout cas, à base de produits naturels. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà adopté au quotidien, mais j'avais pas forcément besoin de quelque chose, donc j'ai rien acheté sur le salon. Ensuite, la deuxième conférence auquel on a participé, c'est une conférence sur le territoire forestier. Donc là, vous allez me dire quel est le rapport avec la mode. Aucun, clairement. Mais j'ai été hyper intéressée. C'est un domaine que je maîtrise absolument pas. Et franchement, je vous conseille d'écouter la suite parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous fait croire et qui sont pas très proches de la réalité. Donc cette conférence, elle était animée par Gaspard Dalens, qui lui venait présenter son livre qui s'appelle Main basse sur nos forêts et qui a cassé pas mal de mythes que j'avais dans la tête et que je pense que vous aussi potentiellement vous pouvez avoir. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui en France en tout cas, les arbres sont soumis à cette politique de productivité. Il faut toujours avoir plus pour évidemment avoir plus d'argent, mais tout ça en fait ça reste assez peu diffusé finalement. On est au courant souvent de la surexploitation des terres agricoles, vous avez dû entendre parler des histoires de glyphosate.
mais en fait on se rend pas trop compte que c'est aussi vachement impactant pour le territoire forestier. Pour rester un peu concise et pas m'étaler pendant des heures, en fait la France elle a décidé de exploiter ses territoires de manière un peu monoculturelle, c'est-à-dire que vous allez avoir des forêts avec une essence d'arbre, et que la plupart du temps pour pouvoir planter ces arbres-là, et bah elle va raser d'autres forêts qui elles étaient composées de plein de choses différentes avec une biodiversité pour pouvoir cultiver des arbres à grande échelle. Donc tout ça évidemment ça pose des problèmes par rapport à la faune et la flore, hein, forcément. Si vous avez un animal qui va faire son nid, son terrier, peu importe, dans un arbre particulier, si vous le remplacez par un autre, bah soit il va s'en aller, soit il va même carrément s'éteindre. Ça pose aussi un peu des problèmes par rapport à certaines régions qui vont complètement être défigurées. C'est-à-dire que, imaginez que vous vivez depuis que vous êtes tout petit à côté d'une forêt de pins. Si un jour on la rase et qu'on remplace tout par des bambous, alors c'est joli les bambous, hein, mais ça a pas du tout la même tête qu'une forêt de sapins, on est d'accord. Ce qui est un peu problématique aussi, c'est que la forêt, elle va être surtout utilisée en tant que source de combustible, donc c'est-à-dire pour faire du bois de chauffage. Et ça, pour beaucoup de gardes forestiers, d'artisans, c'est un peu une hérésie. Bah, je suis un peu d'accord sur le principe, c'est-à-dire qu'une belle essence de bois, c'est quand même plus sympa de l'avoir transformée en un beau meuble plutôt que l'avoir partir en fumée, quoi. Il y a aussi une petite info qui m'a fait un peu sourire. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce chiffre-là, mais moi j'ai déjà entendu que le territoire forestier français ne cesse de croître. 30% du territoire français est occupé par la forêt. Oui, sauf que il est de moins en moins éclectique, et donc comme je vous le disais, ça pose problème. Et ça, je trouve que c'est un peu un peu la désinformation qui nous dit que ah mais non, mais il y a pas de problème, il y a de plus en plus de forêts en France. Ouais, mais sous quelle forme en fait? C'est ça un peu moi que j'ai trouvé très intéressant d'entendre en fait. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous recommande vivement d'aller acheter du coup le livre de Gaspard Dalens. Le dernier jour, on a surtout fini le tour des stands. Il y en avait vraiment beaucoup et il y avait beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de gens à rencontrer. On a pu parler aux artisans ou aux bénévoles et c'était vraiment super enrichissant, parfois autant qu'une conférence. Là, ce sont des vêtements fabriqués en fibre d'ortie. Franchement, quoi de plus local et de plus français que les orties? C'est typiquement le genre de savoir-faire que je venais découvrir sur le salon, avec des matières un petit peu originales et un peu avec des propriétés insoupçonnées. Ici, on a la marque Le Gaulois qui fabrique des jeans en 100% lin français. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui font des jeans en coton 100% bio. Le problème, c'est que le coton, c'est hyper gourmand en eau comparé à du lin ou du chanvre, par exemple. Autre point que j'ai adoré sur ce salon, c'était la bouffe. Clairement, on a archi bien mangé et franchement, pas toujours très cher. C'est-à-dire que vous pouviez manger entre... 5 et bon, alors si vous faites vraiment plaisir, 30€. Et c'était tellement agréable de pouvoir manger où vous voulez sans avoir à penser aux pesticides, sans avoir à penser si la viande est même juste bien traitée. Vraiment, c'était trop bien de pouvoir manger ce que vous voulez, et franchement, on s'est vraiment régalé. Par exemple, ce burger que mon frère a pris, qui est fait à base de pain bio, de laitue, enfin tout ce qu'il y avait dedans était absolument bio. Et la viande venait aussi de la même exploitation en fait, et c'est une exploitation qui marche en traction animale en fait, c'est-à-dire que tous les processus de production sont faits à l'énergie mécanique en fait. Donc ça, c'est pareil, c'est des super initiatives, et le burger lui a coûté 6€. Enfin, c'est un truc de fou quand même, ça coûte moins cher qu'un McDo. Bref, qu'on vienne pas me dire que c'est impossible de manger local, bio, etc. et que c'est trop cher. Alors oui, c'est pas possible partout d'avoir ce genre de toutes petites exploitations, bah vous nourrissez pas la France entière, hein. C'est pareil là-bas, toute la vaisselle est consignée, vous avez quasiment pas de déchets, et quand il y en a, évidemment tout est recyclable. Et c'est vrai que quand je vois ça, je me dis qu'en fait il y a beaucoup de rassemblements style festival et tout qui pourraient un peu prendre exemple, parce que bah on voit bien que là c'était possible. Le salon est énorme, hein. Je sais plus combien il y avait de places, même assises, pour pouvoir manger, mais bah on peut nourrir beaucoup de gens avec de l'alimentation bio et écologique. Bon voilà, je pense que vous l'avez compris, j'ai vraiment adoré participer à ce salon. Je vous invite vraiment à aller à ce genre d'événement, parce qu'en fait vous venez vous informer sur un sujet et en fait vous repartez avec plein d'informations, même des rencontres avec des gens. Vous voyez la marque Laine Paysanne là, maintenant je les suis sur Instagram. Et une fois que vous avez conscience de tout ce qu'impliquent vos actes, vous pouvez pas faire autrement, vous pouvez pas ignorer toutes les conséquences ont vos actes. Donc du coup, une fois que vous avez les solutions, et bah vous avez plus qu'à les appliquer, et c'est typiquement dans ce genre d'endroit que vous les trouvez. En plus, je sais pas si vous, au quotidien, vous essayez de faire même des petits efforts, hein. Je veux dire, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Déjà, si vous faites la démarche de vous informer
c'est génial. Mais si vous faites des efforts comme moi et que des fois vous vous retrouvez confronté à la façon dans laquelle il y a certaines industries qui produisent de manière complètement dégueulasse, qui balancent leurs déchets directement dans la mer, enfin, ça fait mal au cœur en fait. Et participer à ce genre d'événement, ça fait me dire qu'il y a des gens vraiment qui donnent de leur temps, qui donnent de leur vie même pour certains. Et voilà, ça donne un peu quand même de l'espoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le confinement n'est pas trop difficile chez vous. J'ai une pensée évidemment pour tous les gens qui continuent à travailler en cette période, que ce soit les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, etc. Mais aussi les éboueurs, les gardiens d'immeubles, les employés de caisse, etc. Je vous donne beaucoup de courage. Et puis je vous dis à la prochaine.